Bonsoir à tous, jeudi soir. Bonjour les ratages dans la vidéo. Je vous avais fait une vidéo d'une heure ou presque et blackout dans la maison. Même l'onduleur a sauté. Comment est-ce possible? Il y a certaines choses que je n'aurais pas le droit de dire, je sais pas. Ouais. Alors du coup, je vais faire un petit truc court et peut-être que je repositionnerai ce que j'ai à dire pour samedi. Ce sera le plus simple. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant quand vous êtes en train de parler que d'un coup il y a tout qui a disjoncté. Alors, juste un petit truc court. Il y a pas mal de personnes qui actuellement se sentent pas bien du tout. Grégoire, il n'y a qu'à regarder le ciel très étrange, très lourd, très pesant. C'est évidemment, ce n'est pas très explicable, je ne sais pas, c'est pas très perceptible ou rationnel. C'est lourd, c'est étouffant. Alors, actuellement, il y a pas mal de petits raids qui sont organisés, des raids qui ne sont pas des raids de commando. Non, non, ce sont des manifestations, j'allais dire, superbement énergétiques, qui apparaissent et qui détruisent une usine. Une usine de vaccins, peut-être. Et d'autres qui utilisent des laboratoires, des trucs de recherche qui sont détruits actuellement un petit peu partout dans le monde. Ça apparaît ici. C'est très chirurgical. C'est très intéressant. Alors évidemment, ça peut occasionner certains retards dans les livraisons. Bon, certains, on pense qu'ils simplement ils ont du retard parce que ils avaient sous-estimé le marché. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a deux paramètres. Un, ils sont sabotés. Deux, ils ont surtout des problèmes de certains vaccins. Il y a des problèmes qui une certaine tranche de la population. J'ai déjà dit ici que dans ce monde il y a quelques ethnies. Certains disent, bien sûr qu'on le sait qu'il y a des ethnies différentes dans ce monde. Donc je ne vous parle pas de civilisation africaine, donc ou d'indienne, ou chinoise, asiatique, ou occidentale. Je vous parle pas de ça, même s'il y a des différences génétiques notoires, mais pas aussi spectaculaires ça. Je vous parle de catégories de pseudo-humains qui sont ciblés en premier, et donc, ça fait des ordres, quoi. Ça tue une certaine catégorie d'individus, et ça leur, et d'autres, c'est plus ceux qui ont des faiblesses allergènes un peu particulières à certaines matériaux, ça se passe pas bien. Alors du coup, il faut un petit peu modifier la formule. Alors du coup, il y a un petit peu de retard. Hein. Alors on va livrer ce lot-là, ça va pour eux, mais ce lot-là, ça va pas pour eux. Donc ils sont obligés de. Hein. Derrière les, vous inquiétez pas, selon les variants des virus, moi je vous fais un vaccin en 5 minutes. Et je vous en fais un nouveau, etc. Bon, moi, j'en ai même plus dans ce genre de discussion, ça me fatigue. Ça me laisse perplexe que des pseudo-personnes scientifiques, intelligentes, puissent encore argumenter et écouter, voire développer, voire faire diffuser à grande échelle ce genre d'informations, ça me laisse perplexe. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans le détail, mais je suis un petit peu quand même, mais pas beaucoup sur le fait que on ne peut pas se battre contre la nature. Se battre contre la nature, si vous vous battez contre le vivant, soit vous le détruisez, et donc vous vous détruisez vous-même, soit vous essayez de le contenir, ce qu'ils essaient de faire, et du coup il s'adapte. Des variants. Est-ce nouveau? Non, bien sûr que non. On le sait très bien que ça fonctionne comme ça. Plus ils voudront adapter, plus ça s'adaptera. Mais bon, jusqu'où va aller l'ego surdimensionné de certains individus qui croient contrôler la nature? Mais évidemment que la clé est la symbiose. Cohabiter, vivre avec. C'est une évidence.
en décodage biologique, on vous dit vous avez telle pathologie ou telle maladie, ah oh, Seigneur, pourquoi je suis puni? Non, tu n'es pas puni. Ce sont des mécanismes qui, par la tombée de certains dominos, de cascades en chaîne, ont créé jusqu'à l'inéluctable présent où tu as des pathologies. Ce n'est pas le hasard. Et la maladie n'est pas quelque chose de mauvais. Ah mais ça me tue, oui. Parce que c'est les derniers stades. Puisqu'avant, tu n'entendais pas, tu n'écoutais pas ce qui se passait en toi, à l'extérieur de toi. Les mécanismes sous-jacents, transgénérationnels, c'est parfois compliqué, oui, évidemment. Mais le fait de ne pas lâcher prise, de cacher en soi des informations, de se les cacher, de se voiler la face, ben ça tue, hein. Ça fait souffrir même. Mais bon, et du coup, si c'est à la taille d'une planète, à la taille d'une planète, que c'est viral ou c'est autre chose, même si c'est plus ou moins traficoté, ben, il n'empêche que quelque part, ben, il y a adaptation, évolution, modification, et à un moment donné, on ne doit pas combattre, on doit comprendre, on doit, de façon symbiotique, intégrer les nouveaux paramètres. Mais je dis ça, j'ai rien dit. Qui suis-je, voilà. Ces gens sont tellement intelligents. Ils savent tout. On le voit, hein. Ils pataugent dans la saloperie, mais pataugent. Mais bon, je pense que ça sert des plans. Mais bon, ça sert des projets. Une idéologie. Parce qu'il n'y a pas de traitement, paraît-il. Ah, peut-être, peut-être, nous disent. Bref, non, mais laisse tomber. De toute façon, on sait tous ce qu'il en est. La manipulation. Et, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il se joue beaucoup plus ici qu'une simple pandémie, un problème viral. Vous le savez aussi, ça camoufle un gros problème de société, un système, en fait, basé sur les banques, les crédits, banqué sur l'économie, le système de trading qui détruit, qui pille, qui vide, qui vampirise tout le système. Tout ça, ça cache des choses beaucoup plus gros, évidemment. Comme vous les voyez tous, ça sera le reset, ça sera bien, ça sera formidable. Ouais, en fait, ça sera formidable pour vous. Parce que nous, évidemment, nous ne sommes que les dommages collatéraux. Mais rien ne se passe comme prévu en ce moment. Je vous le dis, franchement, en ce moment, c'est très spectaculaire ce qui se passe. Il y a des petites frappes chirurgicales, pop, 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 ça apparaît, ça disparaît, boum, neutralisé, et c'est rapide, ni vu ni connu, quoi. C'est impressionnant, c'est pas des commandos, ce sont des forces qui arrivent et qui interviennent par-delà les dimensions, et ils arrivent, et ouf, ils frappent, vous voyez, c'est quelque chose d'assez spectaculaire, vraiment, il faut le voir, hein. Donc, pour ceux qui sont angoissés, et il y en a, vous êtes quand même quelques-uns très angoissés, et donc je vous le dis tout net, essayez de prendre un peu sur vous en ce moment. Trop tôt se déclencher, etc., c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Il faut apprendre une qualité qui est très difficile d'un joueur d'échecs qui soit à la fois observateur, calculateur et patient. Il faut être capable d'attendre le bon moment, donc tranquille. Essayez de faire redescendre l'égrégore, parce que là, c'est chargé à bloc, là. C'est vraiment chargé. C'est très dense, c'est très étouffant. Et puis, ça traîne trop en longueur, là. Ça traîne trop en longueur. On voit bien que là, c'est un petit peu... à un certain niveau, même de nos élites, ils se posent des questions. Et si on s'était trompé, et si ça se passait pas comme prévu, etc., etc. Du coup, c'est intéressant. Les autorités, à divers degrés, à divers niveaux, sont plus aussi à l'unisson. Hein. Déjà qu'ils l'étaient pas, même, véritablement. Ils ne sont plus tout à fait à l'unisson. Alors, ça peut jouer à notre avantage, ça. Alors, pour ceux qui s'angoissent et qui ressentent cette pesanteur et qui observent les chemtrails,
et que le ciel bleu semble avoir disparu, même quand il est là, il reste pas bien longtemps, quoi. Il est vite voilé, il est vite occulté, hein. Et quand même, on croit qu'il est bleu, regarde mieux, tu vas voir, il est plus laiteux que bleu, hein. Le bleu azur, qu'est-ce que c'était chouette avant. Quand j'étais enfant, quel fantasme. Ah, ça existait, on se demande. Bon, il y a encore des journées, rarissimes, où le ciel est encore bleu. Mais ça commence à être rare. Pour l'instant, ça ne dure pas. Il y a beaucoup d'occultation, on veut pas qu'on observe. Il y a beaucoup de distorsions, parce que ça nous brouille aussi, nos perceptions. Et ça, quelque part, ça fausse la donne. Ça perturbe toutes nos perceptions. Donc, on va voir. Moi, je dis, pour tout le monde, et puis on se donnera rendez-vous pour samedi, c'est dans 2 jours. Je vais essayer d'avoir un peu plus de précision, éventuellement. Je vais pas non plus rentrer dans trop de détails, parce que je vais pas rentrer dans les histoires de Covid. Maintenant, il y a 3800 chaînes, je plaisante, qui font ça. Donc, moi, je vais rentrer plutôt dans le côté un petit peu là, mais plutôt ésotérique et métaphysique, le côté énergétique des grégores d'entités qui commencent à se manifester ici et là, partout, d'entités ni bonnes ni mauvaises, inquiétant, j'arrive pas à les approcher, moi personnellement, pourtant, je croyais que c'était possible, je pense que pour l'instant, on n'approche personne, elles veulent être objectives. Pourtant, c'est assez déconcertant de voir qu'il existe des entités telles que les 6, donc des anciens qui sont dans le réseau ou ailleurs, et ils ne rentrent pas en contact avec ces maîtres entre la question ou d'autres personnes. Donc les jeux sont là. Il est possible que d'autres acteurs rentrent en jeu encore. Ça va être le bouquet final. Je ne sais pas du tout. Comme certains disent, ça va s'étaler jusqu'en 2030. Je dis, ça ne tiendra pas jusqu'à 2030, ça va lâcher bien avant. Il y a des choses qui vont, c'est pour ça que beaucoup ne sont plus d'accord par le système actuel. Ils disent, il faut tempérer, parce que sinon, on va tout perdre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais bon. Face à, je sais pas comment on pourrait dire ça. De l'ego, de la stupidité, de la bêtise, la connerie, pensant qu'ils ont le contrôle. Le contrôle de rien du tout, quoi. Ils se sentent tellement puissants. Bien, je voulais faire court, toute petite vidéo pour vous faire un petit bisou en passant, vous dire donc à samedi. Je voulais vous faire une vidéo hier, j'ai vu qu'il y avait, je sais pas combien de lives en même temps, je me suis dit, oula, laisse tomber. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les vidéos fusent de tous les côtés maintenant. Ouais, je sais pas comment ça va évoluer ça aussi, on verra bien. Beaucoup de choses. Allez, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt. Merci à toute cette attention que vous me portez, et moi je vous vois aussi, je vous ressens surtout. Et donc je vous dis à samedi, donc très bientôt pour le direct. Et accrochez-vous, c'est là, on est vraiment dans le grand 8, on y rentre, là. C'est déconcertant. Tout pourrait s'arrêter vite, mais je pense que le serpent ne va pas se laisser faire. Je pense pas. Allez, à très vite. Bye bye, ciao à tous. Bisous.